Hey, salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la partie en continu en vidéo. Donc du coup la dernière fois on n'a pas pu faire de live parce que tout simplement sur cette partie là, normalement je vous avais dit que Shadow et Ingrid pourraient apparaître sur cette série là, mais là malheureusement ça m'était sorti de la tête sur le moment. Ingrid et Shadow ils ont pas le DLC Anderson, donc du coup qui va me servir sur cette série là. Donc je suis le seul à l'avoir pour l'instant, donc du coup ça va peut-être changer déjà pour Ingrid, moi c'est sûr. Après pour Shadow ça pourrait changer aussi, donc au final ils viendront sur la série mais peut-être pas tout de suite. Donc du coup la dernière fois on avait fait ça, on avait fait tout ça. Donc du coup on va continuer à endainer comme la dernière fois, on va fermer, enfin on va fermer, on va continuer à endainer tranquillement. Et puis en même temps, je vais vous parler de deux ou trois trucs. Tant qu'à y être. En vidéo en même temps. Tac, comme ça, ça vous fera passer un petit peu le temps. Donc on m'a dit de faire... on m'a proposé de faire des petites avances rapides du jeu pendant que je parle. Donc du coup, je vous rassure ma voix. Je vous rassure que ma voix ne sera pas accélérée, hein, ça va pas me faire une voix bizarre, ça sera pas non plus incompréhensible, ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave, c'est le matin, hein, voilà. Donc du coup je vais m'y essayer aujourd'hui, donc je vais essayer de vous faire ça, si j'y arrive, hein, parce que si j'y arrive pas, ou que j'ai trop de mal à faire ça, enfin trop de mal. De toute façon il faut bien que j'apprenne, mais c'est pas le truc, enfin c'est pas trop ce que je voulais dire. En fait ce que je voulais dire c'est que si j'arrive pas à faire ce que je veux avec l'avance rapide, bah, tout simplement je le ferai pas, mais normalement je me suis déjà essayé, je me suis déjà un peu renseigné à droite à gauche, normalement c'est bon, normalement je peux le faire même très tranquillement, c'est relativement simple à faire. Donc du coup voilà, donc pour ceux qui étaient présents hier sur le live, déjà bah, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Donc j'ai eu en nouvel abonné donc Jérémy Laura qui est un youtubeur, donc bienvenue à toi, le simulateur parisien qui est youtubeur aussi, donc bienvenue à toi. J'en ai eu aussi deux ou trois, Lou. J'en ai eu quelques-uns, j'ai pas tous les noms en tête, hein. Je suis désolé les amis si je cite pas votre nom, mais bon je pense quand même à vous. Donc bienvenue chez LCS, franchement bienvenue sur la maison. On a atteint les 80 abonnés hier, donc hier soir, donc j'en suis vraiment très content, je m'y attendais absolument pas, d'ailleurs de toute la soirée, hein, je m'y attendais absolument pas, pour ceux qui étaient là vous m'avez compris, franchement c'était vraiment, enfin c'est vraiment génial que la chaîne monte aussi vite que ça, c'est juste énorme, franchement c'est grâce à vous, donc je vous fais un gros merci à vous tous, et pour le coup donc on va d'ici là, dans la vidéo là je vais parler un petit peu d'un petit coup de gueule, donc un petit coup de gueule moi personnellement, donc cet après-midi vous aurez une autre vidéo, du coup tac on a fini. Cet après-midi vous aurez une autre vidéo que je serai en compagnie de plusieurs personnes, donc notamment moi, Ingrid et d'autres personnes qui sont témoins de quelques emmerdeurs. Donc du coup ce matin au réveil j'ai eu le temps de boire mon café en 2-2 et de faire ma petite enquête, le temps juste avant de faire ma vidéo, j'ai eu le temps de faire ma petite enquête. Donc du coup pour le coup du coup j'ai pu soutirer des noms, j'ai pu trouver des noms, j'ai pu trouver les noms des responsables de ce genre de conneries. Donc apparemment qui sont connus, hein, qui sont même très connus apparemment, pas pour leur chaîne, mais pour leurs conneries. Donc du coup je parle pas fort comme d'habitude, vous le savez très bien que comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, Ingrid le matin à cette heure-ci a fait de dos, donc je vais pas crier, je vais éviter de trop crier, enfin je vais pas crier du tout même d'ailleurs. Donc du coup avec ce qui s'est passé hier soir, j'ai fait mon enquête etc, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc du coup je tiens à dire pour ceux qui donc les mecs qui étaient là hier soir, si vous voyez cette vidéo là, donc si ça vous éclate de mettre un dislike, allez-y, éclatez-vous, je m'en fous. Donc du coup, bah, pour le coup, ces mecs là, ils seront classés sur ma liste noire, donc du coup que j'ai faite ce matin. Bon, c'est un bout de papier, hein, truc fait à l'arrache. Donc je me mets assez loin pour pas que vous voyez. Donc voilà, c'est bon. C'est un petit carnet avec une feuille. Donc du coup voilà. C'est les petits les petits noms des personnes qui sont a priori responsables du désordre sur les lives. Qui sont responsables du bordel sur les lives. Donc du coup ces personnes-là sont tenues à l'œil, donc s'ils refont apparition sur un de mes lives, ou même un des lives d'autres youtubeurs que je ne citerai pas le nom, à part ceux que vous avez vu hier soir, enfin entendu hier soir, donc j'en ai prévenu quelques-uns, Ingrid en a prévenu quelques-uns de vos conneries. Donc après, à première vue, vous êtes pour certains d'entre vous, vous êtes déjà passé chez eux. Donc du coup, bah, je pense qu'eux ils sont immunisés, donc ils savent qui vous êtes, donc j'ai pas eu besoin de les prévenir à ce sujet-là. Je me permets de boire en même temps, hein, parce que j'ai la gorge sèche. Donc du coup, voilà. Donc si vous repassez sur mes lives, non seulement si vous vous tenez pas un carreau, ça va être le ban direct, parce qu'apparemment vous avez été déjà ban de plusieurs chaînes. Donc pour moi ça va être vite fait, certains c'est même vite vu, ça va, je vais même pas attendre que vous reveniez, je vais trouver votre chaîne puis je vais vous ban tout de suite. Pour d'autres ils sont signalés, merde c'est là, ils seront signalés, pour harcèlement. Donc voilà, c'est sur YouTube pour ceux qui savent pas, bah, sur YouTube c'est possible, hein, de faire des signalements pour harcèlement, incitation à la violence, hein, donc tout ça, tout ce que j'évoque là, tout ça ça sera mis en pratique, hein, bien sûr ça sera mis en pratique. Donc du coup voilà, donc il y a une vidéo qui devrait sortir normalement en fin de journée pour à ce sujet là. Donc on va essayer de tourner cette vidéo cet après-midi pour ça, et puis après je ferai le montage, le temps que je fasse le montage, qu'on discute, parce que voilà, on va pas se lâcher juste après avoir fait la vidéo, on va pas se lâcher tout de suite non plus. Ouais, je pense qu'on va discuter un petit peu, hein, histoire de faire un peu plus connaissance, etc. Donc du coup voilà, pour le coup moi ce que je vais faire, donc pour ça je vais tout simplement me débarrasser des plus gros emmerdeurs tout de suite. Les autres je les connais pas, donc je vais attendre voir s'ils viennent me faire chier. Si vous venez me faire chier, c'est pas compliqué, ça sera la même punition, donc ça sera ban, signalement, clairement ça va être ça. Et du coup, et après, bah, après voilà, j'espère avoir la paix. Donc, après, j'ai plusieurs youtubeurs qui ont été mis au courant. Donc, les mecs, que vous essayez de retourner, aller voir à droite, à gauche, et disant oh, t'as LCS qui t'a insulté, connard, etc. Nani, nanana, nanana. Voilà ce que je fais. Voilà ma réponse. Allez vous faire foutre, putain. Allez vous faire foutre. Parce que tout simplement, bah, déjà, c'est pas vrai. Hein, parce que. Ceux que vous avez été voir hier, bah, se sont très vite rendus compte que bah, c'est des conneries, hein, tout simplement. Mais bon, je sais que vous êtes pas, je sais que ceux qui sont hier soir, vous n'êtes pas tout seuls. Je sais que, qu'il y en a, encore un paquet d'autres. Hein, je sais que je vais en avoir d'autres, hein, qui vont venir. Ah mais y a pas de souci, je vais les accueillir. Après moi, je m'en fous, ça fait monter mon audience. Même si j'ai des dislikes, c'est pas grave. Des dislikes, c'est quoi des dislikes? Au sujet de dire que vous aimez pas. Oh merde. Merde. Eh, sans déconner. Des gamins que je connais personnellement, qui ont 8 ans, ne s'amusent même plus à faire ça depuis leurs 6 ans. Sans déconner. Ils s'amusent même plus à faire ça depuis leurs 8 ans. Je sais pas ce que vous avez dans... Je sais pas ce que vous avez dans le crâne. Je pense qu'ils ont envie de voir du Marseillais, ils ont envie de voir ce genre de conneries là. Hein, là où ça fait que clasher à mort, ça s'insulte à mort, Je pense que c'est ça qu'ils veulent voir. À mon avis, ouais, c'est même sûr, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est du clash, c'est de l'insulte. À mon avis, c'est de l'insulte qu'ils veulent voir. C'est de l'insulte qu'ils veulent voir, donc du coup, voilà, ils se sont dit, bah tiens, on va faire pareil avec les youtubeurs, on va faire en sorte qu'ils se clashent entre eux, on va faire en sorte qu'ils s'entendent plus entre eux. Et comme ça, bah, ils feront plus rien ensemble, ils feront plus rien pour les vues. Ils feront plus rien pour les viewers. Donc ça, c'est ça que je trouve un peu crade. Un peu dégueulasse, c'est même sûr. C'est très dégueulasse. Parce que après vous vous plaignez que vous avez plus rien. Que les youtubeurs vous proposent plus rien, ne font plus de parties abos, ne font plus rien. Parce que pourquoi? Parce que quand vous faites des parties abos. Quand on vous fait des parties abos, vous venez sur les parties, vous faites le bordel, etc. Vous foutez le bordel, etc. Franchement, moi je comprends pas le sens. Donc pour ceux qui l'ont compris, hein, ça va être le thème de cette vidéo là, hein, personnellement, parce que voilà, je vais parler que de ça pendant 45 minutes, je vais vous casser les couilles avec ça pendant 45 minutes, parce que hier, vous êtes venus à une quinzaine, voire 20, voire même plus, à venir nous casser les couilles, à venir pourrir mon live, à venir pourrir notre live, donc à moi, à la team, et même aux viewers qui sont déshabitués, qui viennent là, qui viennent sur mon live habituellement, pour se détendre, pour discuter, etc. Vous nous avez cassé les couilles pendant une heure, pendant plus d'une heure, pendant même 2 heures quasiment, si c'est pas plus. Donc du coup, bah voilà, moi je vais vous casser les couilles pendant 45 minutes, et puis on va vous casser les couilles pendant encore au moins une bonne vingtaine de minutes tout à l'heure. Voilà, après je sais pas, au final je ferai peut-être même pas la vidéo hein, de cet après-midi, aussi bien je la ferai pas, aussi bien la vidéo d'aujourd'hui ça suffira. Donc après, les youtubeurs qui étaient là hier soir, merde. Les youtubeurs qui étaient là hier soir ont été emmerdés. Donc, comme quoi, soi-disant, je vous insulte. Donc, je vous invite à faire comme moi, les amis. Franchement, je vous invite à faire comme moi, à faire une vidéo, voilà, une série que, bah, pendant une série vous faites habituellement, voilà. Hein, vous prenez pas la tête à vouloir faire une vidéo dédiée à ça. Parlez-y donc pendant votre live, enfin pendant votre live, pendant votre vidéo. Parlez-y, voilà, comme s'ils vont être contents, ils vont être débiles. Et puis voilà, on va tous, je pense qu'on va tous, faire ça. Je crois que ouais, la vidéo elle va être faite parce que voilà, j'ai envie de montrer mon ras-le-bol, j'ai envie de montrer que ces pratiques-là, ça se fait pas. Là, on est en 2019. Hein. Ces pratiques-là, ça se faisait déjà en 2002, 2003, 2005, 2006, etc. Je pense que là, on n'est plus à l'âge des gamins, là, on arrive à un temps où tout est informatisé, etc. Si vous croyez, les mecs, si vous croyez que vous êtes à l'abri sur votre PC, eh ben non. Non. Vous l'êtes pas. Vous l'êtes pas, vous le serez jamais. Vous êtes toujours, que ça soit moi, un autre youtubeur, ou un viewer, vous êtes tous vulnérables derrière votre PC, voire même plus que dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que vous êtes pas à l'abri d'un, vous êtes tout simplement pas à l'abri d'un hacker, un putain d'hacker qui va vous cramer votre PC, qui va vous pourrir votre connexion, qui va vous pourrir votre vie tout simplement. Hein. Il va vous pourrir tout simplement. Donc du coup voilà. Après, si vous croyez que vous êtes à l'abri, bah allez-y, faites ce que vous avez à faire. Faites chier, c'est bien. Moi après, je m'en fous, ça fait monter mon... Moi personnellement, ça me fait monter mon audience. Bon, après c'est vrai que sur le chat, bon, ça fait chier parce que... Voilà, ça défile vite, je suis obligé d'arrêter ce que je fais, je suis obligé de jouer aux gendarmes. Bon, bah, j'ai de la chance, j'ai une équipe de modération. Donc qui est constituée de Ingrid, Mousseline, Thomas... et Team 158. Donc les mecs, franchement pour hier soir, bravo à vous. Vous avez fait vraiment un boulot, mais formidable. Vous avez fait vraiment un boulot formidable. Je suis franchement de votre réaction. J'ai fait un appel sur le serveur, sur le Discord. J'ai fait un appel au secours. Vous êtes venus quasiment tout de suite. C'est génial. Je m'attendais pas à vous voir aussi vite. Donc franchement c'est cool, vous avez réussi à m'aider à gérer ces bandes d'enfoirés là. Donc c'est génial, c'est juste cool. Donc merci à vous les gens. C'est donc du coup pour ceux qui sont modos que je n'ai pas renlevé de la modération hier soir. Donc pour le coup vous allez rester modérateur. Parce que tout simplement pour vous récompenser du beau boulot que vous faites. Enfin du bon boulot que vous avez fait hier soir. Parce que jusque là vous avez été sur mes lives en tant qu'abonné classique. Vous avez resté discuter avec moi, vous avez été sage, vous avez pas, vous étiez sage, vous avez été cool, vous n'avez pas fait de conneries, vous m'avez pas, voilà, vous avez pas essayé de pourrir mon live. Même pour certains d'entre vous, vous m'avez même carrément aidé. Donc du coup voilà, c'est tout ça, c'est pour vous remercier, c'est pour vous vous remercier. Donc du coup voilà, donc voilà, maintenant je pense que je vais arrêter d'en parler maintenant, là ça fait à peu près 15 minutes que j'en parle, je vois pas, merde, je vois pas quoi dire de plus, à ce sujet là. Donc du coup pour ceux qui seraient intéressés de savoir un peu ce qui s'est passé, donc je vous invite à regarder la vidéo qui va venir cet après-midi. Donc je ne sais pas combien qu'on sera exactement, je ne sais absolument pas. Donc aussi bien on sera que 2, aussi bien on sera que 3, aussi bien on sera que 4, aussi bien on sera plus. Donc je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a au moins un youtubeur qui va venir. Un jeune youtubeur qui va venir. Je sais qu'il y a au moins un jeune youtubeur qui va venir à la vidéo. Je sais qu'il y a au moins un qui viendra. Donc du coup voilà, donc, je pense qu'on sera au moins 3. Bon bah pour Shadow l'ami, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va, que ton pied va mieux. Bon on n'a pas de nouvelles de toi depuis hier soir, on est en tout début de soirée. J'espère que c'est pas ton PC comme on s'y attendait, comme on s'était déjà dit plus d'une fois, que ça soit pas ton PC qui est cramé, parce que là je pense qu'autrement on va pas te voir tout de suite, on sniff. Donc du coup voilà, donc je te fais un petit clin d'œil à toi Shadow. Donc t'as pas été là, t'as pas été présent non plus, donc t'inquiète pas, si tu peux venir cet après-midi ça va être génial, donc on va pouvoir un peu t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Enfin ce qui s'est passé, en moins que tu aies vu la rediff, te connaissant ça me surprendrait pas. Donc du coup voilà, le coup de gueule de cet après-midi, il sera cet après-midi. Donc je plains même la voisine parce que le coup de gueule, donc ça sera non seulement physiquement mais en plus moralement. Donc du coup voilà, je sais qu'il y a un youtubeur qui veut partager la vidéo qu'on fera après-midi, veut partager la vidéo sur sa chaîne. Donc déjà bah, je le remercie d'avance. Pour ça je le remercie d'avance. Et je sais pas si les autres si les autres veulent venir sur la vidéo et qui veulent faire de même. Donc je vous remercie d'avance, même si je le ferai quand même, hein, je vous remercierai quand même encore et encore. Et pour le coup bah du coup voilà quoi. Tac. Donc du coup là pour le petit moment, le petit quart d'heure coup de gueule, bon, qui a duré un bon 15 minutes. Donc du coup voilà. Donc vous en saurez plus cet après-midi. Donc pour le coup là, je vais continuer à jouer. Moi je vais m'éclater comme je le fais habituellement sur mes vidéos. Je vais continuer à vous parler de plusieurs choses. Donc du coup pour l'avenir de cette série là, donc comme je vous disais tout à l'heure. Oui, je parle plus fort parce que j'ai Ingrid élevée. Donc je pense que maintenant vous l'avez compris, quand je parle plus fort c'est qu'Ingrid s'est enfin réveillée. Donc du coup pour l'avenir de cette série là, pour l'instant Ingrid et Shadow ne peuvent pas venir sur la partie parce que j'ai le DLC add-on. Enfin pourquoi je dis le DLC add-on putain, et à chaque fois c'est pareil, le DLC Anderson hein. Donc du coup vu qu'ils ont pas pour l'instant le DLC Anderson, donc qu'ils auront plus tard, donc quand ils l'auront, ils pourront venir sur la partie, parce que pourquoi je veux pas qu'ils viennent sur la partie, parce que le DLC Anderson en fait j'en ai besoin, je m'en sers déjà en plus, donc du coup vu que je m'en sers, bah du coup je peux pas désactiver le mode parce qu'autrement je vais le perdre tout simplement, et ça j'ai pas envie, ça je n'ai pas envie. Et bah du coup voilà, merde. Donc j'espère pour le coup que pour vous cette série vous plaît. Donc pour vous les nouveaux arrivants, j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à larguer votre petit pouce bleu. Et même si, comme par hasard, toi là, l'ami qui regarde, là, le petit nouveau qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour manifester ta petite présence pendant le prochain live. Parce que comme vous l'avez compris sur cette chaîne là, sur ma chaîne, quand j'ai un nouvel abonné, bon là pour l'instant vous arrivez pas trop en masse donc ça va, pour les nouveaux abonnés bah, je cite votre nom tout simplement. Quand c'est en vidéo je cite votre nom parce qu'il n'y a pas d'alerte, hein. Je mets pas d'alerte parce que bah j'étais déjà abonné hier donc j'ai pas fait une alerte pour voilà, voilà. Du coup, putain je perds ma voix, donc du coup voilà, donc, du coup c'est pour vous remercier les nouveaux, et puis après, ah tiens c'est revenu, donc du coup voilà vous l'avez compris sur ces vidéos, en vidéo je fais ça, c'est mon petit concept à Bibi, le petit hashtag remerciement de vos travaux, donc évidemment vous passerez tous, hein, vous passerez tous à la casserole ceux qui s'abonnent, enfin dans la mesure du possible bien sûr, parce que si vous êtes par exemple 10 ou 15 à ramener vos miches en même temps, à vous abonner en même temps, je vais pas pouvoir tous vous remercier les uns après les autres, donc là je vais faire du groupé, malheureusement je pourrais pas, tout simplement parce que ça va me prendre trop de temps, je pourrais pas vous dire, je pourrais pas citer votre nom pour pouvoir remercier un par un, donc du coup voilà. Après, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, si vous m'avez pas encore rejoint sur le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Le Discord est dans la description de cette vidéo. Donc le lien est juste en dessous là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et pour le coup, bah, vous pourrez discuter avec moi, vous pourrez discuter avec les autres abonnés. Vous avez différentes informations qui sont délivrées. Et puis en plus de ça, vous avez un petit canal pub. Qui sont dédiés pour les abonnés, donc exclusivement pour les abonnés, donc du coup vous pouvez poster vos vidéos là si vous faites des vidéos aussi, et bah, pour le coup wally walou. Bon bah pour le coup le temps que je cause on a presque fini. Bon bien sûr je vais essayer de faire comme je vous ai dit, merde, je vais essayer de faire comme je vous ai dit, de faire une avance rapide vidéo mais pas sonore, donc pour le coup voilà, tac, tac, bon on a presque fini maintenant, merde. Donc maintenant on n'aura plus qu'à ramasser, ramasser les rounds. Donc là pour le coup là, je vais faire vraiment une avance rapide. Donc je vais me taire, je vais rien dire. Donc là ça va être une petite avance. Oh quoique si je cause un peu quand même. Ah si, ah, si c'est mon style, je parle. Voilà c'est mon concept. Allez on va dire que c'est mon concept. Même si c'est un des abonnés qui m'a donné l'idée de faire une avance rapide et voilà. Donc du coup voilà, ça va être le style un peu de la vidéo, de ces vidéos là. Faire des petites avances rapides pour ce genre de truc là, c'est vraiment un bon conseil, donc la personne qui m'a dit ça, merci, qui m'a dit de faire comme ça, merci, je crois que c'est Thomas en plus, je suis pas sûr mais voilà, les personnes je pense qu'elles se manifestera en commentaire, donc au pire regardez dans les commentaires, vous saurez qui c'est, enfin si c'est manifesté, mais sûr si c'est pas encore manifesté, bah c'est ballot, tac, donc du coup voilà, je suis désolé hein, j'ai la gueule enfarinée, ça fait pas une heure que je suis levé. J'ai passé en plus une mauvaise nuit donc c'était pas cool. C'était pas cool, ça m'a plutôt bien perturbé ce qui s'est passé hier soir. Donc mais bon, ça, on s'en fout, après maintenant, c'est passé, voilà, le coup de gueule, il sera cet après-midi, le coup de gros de gueule. On va bien se défouler les mecs, vous inquiétez pas. Nous aussi on va s'occuper de votre cas. Voilà. On va faire ce qu'il faut. C'est pas un blême. C'est absolument pas un blême. On va faire ce qu'il faut pour... Putain, mine de rien, ça en fait les rounds quand même. Tac. Ouais, mais pour le coup, moi... Tac. Bon bah du coup là, je serai toujours en avance rapide, hein, donc comme vous pouvez le voir, je suis en avance rapide, donc je parle un peu au futur parce que vu que le montage n'est pas fait, hein, bon, je vous l'accorde, moi ça me fait bizarre, hein, parce que c'est pas la réalité, donc ça fait chelou, mais bon, hein, quand on est en vidéo, on a toujours, dans les débuts, on a tous eu l'impression d'être un peu con, parler tout seul, etc, on a des bruits de fond, putain j'avais fermé la fenêtre, oh tiens, oh là, ah, tiens j'ai mon autofocus qui s'est mis à bugger. Il a pas apprécié que je me suis retourné comme ça. Donc du coup voilà. Alors je suis désolé si ça m'a fouté la gueule. J'ai l'autofocus, il a pas apprécié que je me retourne aussi vite. On va recommencer tiens pour voir. Non, bon bah, c'est un petit bug, voilà, c'est pas voilà, c'est automatique. C'est un petit autofocus qui fait le petit bug. Bon, c'est pas grave, hein, on va dire c'est les aléas du direct entre guillemets, c'est voilà, c'est le problème. Mais bon, c'est pas grave, hein. Y a pas mort d'homme. Bon, du coup, est-ce que je peux vider la presse, moi? Alors, c'est choisir... Non, ma première but, non. Donc, j'ai oublié de la laisser dedans. Bon, bah, j'espère. Bon, bah, pour le coup, moi, ça me fait un round en moins. Pff, tant pis. Donc là, pour le coup, la presse, on va la ramener. On va chercher, pour ce qui est chiant, c'est avec un petit arculin à la con, je peux prendre que 4 bottes à la fois, il y a combien de bottes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je dois en avoir 27 à peu près, j'en ai peut-être une que j'ai comptée en double. Donc 27, ouais, bon, ça en fait des tours quand même, mon tracteur. J'ai pas l'arcusin moi. Ah non, j'ai pas l'arcusin à enrubaner. Merde. Bon, dommage. Bon, pire, c'est pas grave. Hein. C'est pareil. Donc là, pour le coup, ça sera en avance rapide aussi. Bon, évidemment, je vais pas vous faire que de l'avance rapide. Hein. Trop bon, là, ça devient du n'importe quoi. Bon, bah, les vidéos, c'est possible qu'elles avancent un petit peu. Enfin, qu'elles rétrécissent un petit peu. Vu que je fais de l'avance rapide. Enfin, quoique, non, même pas. Parce que ça fera même pas de l'avance rapide. Et je suis en train de me dire que si je fais de l'avance rapide pour la vidéo, automatiquement, le sonore, lui, il va pas suivre. Donc le sonore va prendre du retard sur la vidéo. Donc je crois que je vais même pas faire... Je crois que non, je vais même pas faire d'avance rapide. Il y a peut-être 2 ou 3 petits trucs que je vais faire une petite avance rapide. Donc notamment dans le champ, je vais essayer de faire, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer quand même en montage, je vais essayer de voir ce que ça donne. Après, si ça me fout un bordel monstrueux, je vais éviter. Parce que voilà, là je suis en train de penser à ça. Moi, ça va me faire un retard, etc. Après, ça, au niveau de mes pistes audio et vidéo. Donc, si ça me fait un rendu dégueulasse et que ça me décale tout, ouais, non, c'est pas ça va pas faire Jojo. Donc, du coup, voilà. Donc je m'en suis jamais servi de ces trucs là en plus. Bon c'est chiant parce que ça me fait prendre que 4 bottes à la fois. Donc pour le coup évidemment on finira pas aujourd'hui hein. Là on est à 28 minutes à peu près. Donc évidemment j'ai tendance à dire le temps de vidéo qu'on arrête, le temps de vidéo que je suis même pendant la vidéo. C'est normal que pour vous ça correspond pas tout à fait à la même chose parce que bah, après j'ai au montage, j'ai générique de début, générique de fin. Donc ça rajoute à peu près quelques secondes en plus. Donc du coup voilà, c'est pour ça que vous des fois ça peut... par exemple si je dis 28 minutes que vous êtes à 29 ou 30, c'est normal parce qu'il suffit que j'ai juste rajouté 2 ou 3 trucs en montage. Du coup ça va rallonger un petit chouïa la vidéo. Un petit chouïa la vidéo. Donc du coup voilà... Bon après on aura de la moisson à faire. Bon évidemment qu'on arrêtera de pleuvoir. Donc du coup en avançant le temps j'ai pas percuté que j'avais tout ce qui était moisson à faire. Du coup voilà. Donc la prochaine fois qu'on aura fini ça on sortira. Ah merde ouais mais je peux pas louer de machine. Boulet. Hashtag boulet, je peux pas louer de machine. Donc on va être condamné à faire des masses, à faire des au moins qu'avec les enrubanés, j'arrive j'arrive à remonter assez pour pouvoir louer une machine. Déployer le truc à balle. Donc ça c'est à l'arrière. Voilà. J'ai pas besoin de l'activer par hasard. Non, j'ai pas besoin. Bon bah c'est cool. Ouais, t'es cool toi, mais comment il marche ce truc là? Il est pas... Non, dis pas qu'on est obligé de le faire à la main quand même. Oh la galère! Ah ouais d'accord, je suis obligé de les prendre comme ça les roues en fait. Oh la putain la galère. Oh c'est merdique. Oh les poules, oh je vais mettre des plombes. Bon bah du coup avance rapide. Oh ouais non mais c'est pourri quoi. Oh mais c'est de la grosse dope ce truc là. Bon bah du coup moi je vais prendre un tracteur. Attends, je vais voir à la ferme, c'est quoi mon arcusin? Parce que est-ce que je l'ai toujours? Est-ce que je l'ai rendu? Est-ce que aussi bien je l'ai même rendu mon arcusin? Bah, évidemment comme un gros con j'ai dû le... Oh bordel de chiottes. Bon au pire on va faire plan B. Je vais prendre mon e-trader, je vais prendre ma benne. Et puis on va balancer les... on va les balancer dedans. Voilà, c'est ça qu'on va faire, j'ai pas d'arcusin, j'ai pas de sous, pas de choix, on est bien obligé de faire ça. Donc pour ceux qui le savent pas, je joue en hard. Donc automatiquement c'est pour ça que je galère un petit peu beaucoup même. Donc du coup ouais, on va prendre le tracteur, je vais prendre le macé, on va tout balancer dans la benne. Même si ça fait pas roleplay, je suis désolé les avis, ça fait pas trop réel. Un mec qui arrive à porter un round, surtout dans le sillage en plus vu le poids que ça fait. Voilà quoi, mais bon, après j'ai pas trop le choix parce que bah je peux pas faire autrement, là ça va être trop merdique avec les petits trucs, là ça va être trop chiant à faire, au volant, au clavier c'est trop galère. Donc du coup voilà. De toute façon je pense que j'aurai le temps de faire juste un tour à mon avis. Alors je sais pas si vous entendez la musique de dehors. Mais moi pour le coup je l'entends vachement bien. Enfin j'entends vachement bien, j'entends un petit peu quand même. Pour moi que ça vienne de ma télé peut-être, je sais pas. Je sais pas, pourtant j'ai baissé le son quasiment en bas de tout, mais bon. C'est pas grave, normalement vous entendez pas. Normalement si ça vient de la télé vous entendez pas. J'ai bien dit normalement. Tac, oh putain et en plus le macé il avance pas d'une couille, allez avance gros vieux schnock. Putain, il faut que je prenne un truc plus puissant. Donc du coup, on a de la moisson à faire, donc on a une machine à louer. Oh purée. Alors, les amis, je vais faire juste une petite coupure. Donc du coup, voilà. Bon, il va y avoir du gros boulot de montage à faire parce que voilà, j'ai eu quelqu'un qui est venu toquer. Donc du coup, voilà. Donc on est parti, on est reparti du coup. Donc du coup je crois que je sais même pas, donc à mon avis là je crois que ça va même dépasser les amis, ça va dépasser les 45 minutes parce que je ne sais pas, je ne sais plus combien de temps que ça fait, j'ai oublié de regarder encore, donc du coup voilà, oh tiens j'ai chopé le hockey, pardon, j'ai chopé le hockey, ah non c'est passé, bah tiens c'est le hockey le plus rapide de l'histoire tiens. Bon bah du coup, alors on va s'éclater avec les... Bon j'espère que ça va pas les vider dedans. Non, hop, je vais essayer de le déplacer parce que ça va me gêner. Tac. Merde. Et oh, ici. Oh la vache, ils sont lourds hein. Je vais vérifier. Ouais c'est bon. C'est bon. Hop. Je vais juste me mettre en vitesse normale parce que autrement ça va être galère. Bon, je vous l'accorde, ça fait pas roleplay, hein, mais au moins j'en prendrai plus que 4. Tac. Bon, on va lancer le tracteur. Merde, couper moteur. Non. Faut passer la malle savante. Donc je sais pas combien. Attends, j'en ai quoi? J'en ai 5 là. 2, 4, 5, ouais. Donc du coup, voilà. Tac. Hop. Oui, là, pour le coup, j'entends. Oui, c'est bien la télé que j'entends, en fait. Tac, voilà. Bon, bah, je suis désolé maintenant si je parle plus, si je parle beaucoup moins que tout à l'heure. Je suis vraiment désolé, les amis, en vidéo. Je sais pas, j'aime bien être un peu calme, concentré, à faire ce que je fais tranquillement. Cool, pépère, l'ami. Y'a pas le feu au... Merde. Y'a pas le feu au lac. Y'a si. Au pied. Voilà. Y'a pas le feu au lac, on est tranquille, on se repose tranquillement, vous avez qu'à prendre un petit peu de popcorn, etc. Votre petite boisson préférée, ce qu'on est bien dans le plumard ou sur le canapé, j'ai le pif qui me gratte. Tac. Ouais non, j'aime pas trop là. Comment c'est foutu dans la remorque là? Alors pour le coup, je sais pas combien j'en ai mis là, attends, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, bon, j'ai pas ramené le... un auto-stack complet, quoique. Si, aussi, je pourrais. Hein. De toute façon, je vais essayer de remplir à mort la benne. Je vais essayer de la remplir le plus que je peux. Non. Merde. Ah, tac, voilà. Ça sera à plat. Bon, on aura intérêt de rouler doucement. Bon, je pense qu'après on va pouvoir déjà aller faire un tour. Voilà, ça tasse un petit peu. On va tomber de l'autre côté. Hop là. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Eh, tu vas où toi? Donc le petit mode qui me permet de faire de crocheter les trucs assez loin. Franchement j'aime bien ce mode là, il est sympa. Il est cool parce que franchement ça m'a sauvé la mise plus d'une fois. Surtout Ingrid hier soir par exemple, pendant le live, qui avait réussi à aller se fourrer dans la rivière avec le pluie. Donc petite pensée à toi ma puce. Non excusez-moi, il faut que je me mouche. Voilà, donc ça je couperai peut-être au montage. Hein. Si j'ai pas oublié, parce que là vu tout ce que j'ai à faire, je crois que j'aurais oublié la moitié facile. Bon, alors on va peut-être aller balancer ça, hein. Parce que là, à mon avis, déjà si j'en pompe pas une sur la route, ça sera déjà pas mal. Hop. Allez, bah tiens, tu vois, allez deux, hop, bon, bah, comme ça au moins. J'en aurais dû à rechoper à l'entrée. Donc j'étais quand même regarder au niveau de la mission où est-ce que je dois emmener ça. Je dois emmener ça à Big Bill Ballersal. C'est où c'est? D'accord. Bon, c'est à côté de la maison. Nickel. Allez, roule ma poule. Donc je pense que là je vais faire encore 10 ou 15 minutes de vidéo. Donc au pire si je peux finir les enrubanes, je finirai les enrubanes. Comme ça bah, on pourra s'attaquer à autre chose la prochaine fois. Donc là la difficulté de la chose c'est que sur cette partie là on n'a pas d'animaux. Donc automatiquement ça rend un peu plus dur les choses. Parce qu'il faut qu'on arrive à vivre avec, avec le BGA et les autres choses. Ah oui, surtout que sachant que j'ai pu tester le pack BGA, donc du coup bah maintenant il reste plus qu'à réunir assez de pognon pour pouvoir l'acheter. Donc j'aurais su ça avant, on aurait fait le prêt pour, l'acheter, ça aurait été tout de suite plus cool. Attends, c'est là ou c'est pas là? J'ai un doute. Non, c'est pas là, c'est plus loin. Parce que le pire c'est que j'ai de quoi mettre dans le BGA ou dans le silo, mais bah, avec le trigger il marche pas en fait, ça sert à rien que je gaspille l'énergie qu'on a mis pour faucher et ramasser. Donc du coup on va juste voir ce que j'ai le plus petit des triggers qui coûte 90 000 €, donc on va essayer de l'acheter assez rapidement. Hop 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 hop. Contrat de chantier 4. Ouh la vache. Donc j'ai tout laissé pour ma pomme. Jackpot mon pote. Donc c'est cool. Donc on va pouvoir remonter le prêt. Donc on va peut-être pouvoir sortir la machine. Enfin sortir la moissonneuse pour se faire le plus de pognon possible. Donc en grain j'ai quelques choix à faire. Donc par contre pour cette série là pour l'instant vous la verrez plus en live. Pour l'instant au moins que je suis tout seul et que je puisse venir. Si je suis tout seul je vous ferai un petit peu cette partie là le temps que les autres arrivent. Quand ils sont arrivés soit ils attendent un petit peu ou alors soit ils me rejoignent sur la partie parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ou alors j'arrêterai cette partie là. Pardon, excusez-moi. J'arrêterai cette partie là et puis on ira sur une partie où on a l'habitude de jouer tous ensemble. Voili voilou. Bon, j'en ai déjà au moins une. Tac. Du coup, le tracteur que j'ai laissé en vrac, le moteur allumé sûrement, et les gyrophares ils sont allumés. Bon, pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le contrat, une fois que ça c'est fait, on pourra le rendre. Donc déjà, on est à moins 15 000, donc on a pu récupérer un petit peu déjà. Donc le fait qu'on se rend positif, ça sera cool. Tac. Donc aussi pour revenir un peu de ce que j'ai dit en début de vidéo, pour les youtubeurs qui étaient présents hier soir, n'hésitez pas à vous manifester sur cette vidéo là, je vous donne la permission les amis, juste pour faire chier l'autre imbécile. Manifestez-vous sur cette vidéo là, donc bien sûr en commentant et du coup peut-être que ça va vous ramener un petit peu de monde. Donc du coup voilà, pour vous remercier je vous fais un petit peu de pub au passage. Donc du coup voilà. Donc bien sûr les autres youtubeurs qui serait susceptible d'être tenté, je vous rassure que je surveille. Donc si je vois qu'il y a un youtubeur qui n'était pas là hier et qui s'amuse à, voilà, à vouloir faire quelque chose, ben c'est commentaire supprimé. Oh merde. Voilà. Comme ça au moins vous êtes prévenus. Je veux pas être salaud, mais bon, voilà. Et ce qui s'est passé hier, maintenant, je vais devoir me méfier davantage. Jusque-là, je me méfie pas plus que ça. Mais il y avait même certains qui jouaient le petit... Ah, donc j'ai ma modératrice préférée qui vient de me dire que j'ai le 81e abonné qui vient d'arriver. Bienvenue à toi, l'ami! Si tu regardes cette vidéo-là, bienvenue à toi. Et bien sûr, n'hésite pas à me larguer un petit commentaire pour savoir qui tu es, parce que à première vue, t'as désactivé les notifs. Donc automatiquement, je ne peux pas savoir qui t'es. Ah ouais, effectivement, 80 abonnés. Ouais, d'accord, bah c'est cool. Bah merci à toi, l'ami. Si tu regardes cette vidéo-là, merci de ton abo. C'est cool, what the fuck? Vous avez rien vu. Non, là, j'ai juste pas coupé ça au montage parce que vu que c'était comique, hein. Voilà, GG qui fait le con, GG qui fait le boulet, GG qui n'est pas GG, voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien laisser quand même les petits moments où je fais des conneries ou ce genre de trucs-là, j'aime bien vous les laisser, bah, pour le plaisir, hein, pour le plaisir de regarder. Et bon, à part si je mets, bien sûr, je mets 100 ans à me sortir de ma connerie, bon, c'est vrai que là je risque de couper légèrement un peu au montage quand même pour pas que ça dure 36 heures non plus. Est-ce que j'arriverai à mettre la dernière au moins? Rassure-moi, Jop. Je peux mettre la dernière? Celle-là va se casser la gueule en fait. Hop. Attends, on va essayer de la caler. On va faire vibro ma soeur. Non, marche pas. Non, marche pas. Ah, peut-être. 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 Bon, ça devrait être pas mal. Alors, on n'a rien oublié derrière nous. J'en ai pas une qui est cachée derrière le tracteur, là. Non, c'est bon. Allez, on va aller vendre tout ça. Et puis après, on va se laisser par là, les amis. Oh, ah ouais, c'est le bordel là-dedans. Et au bout de temps, il y en a une qui va au moins, qui va pas. Oula. Bon, ça sent le hashtag boulet. Donc préparez vos hashtags, les amis. Ça va faire de la bouletterie. Ah oui, et j'ai vu, il y a aussi Gab qui s'est abonné. Donc Gab BBZ, je crois que c'est. Donc bienvenue à toi, l'ami. Je viens juste de me souvenir de toi, tu vois, je viens juste de me souvenir du commentaire que tu m'as laissé ce matin, enfin tous les commentaires que tu m'as laissé ce matin, donc merci à toi de tes commentaires, c'est super gentil à toi. Et du coup, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais me répéter, quand je ne réponds pas à vos commentaires, je vais forcément laisser Je vais forcément laisser un petit signe de mon passage. Donc soit... Bon, je vais pas le mettre là parce que là ça va être le pactal. Donc soit... Oh la vache, je sais pas comment que ça tient tout ça. Donc soit je vous mets un petit pouce bleu, ou alors je vous mets un petit cœur. Autrement ça va être bah, si je mets le pouce rouge par exemple, c'est par contre le commentaire m'a pas plu. Donc généralement le commentaire je vais le laisser un petit peu et puis après je vais le supprimer par la suite si j'ai pas oublié, ou alors je le supprime tout de suite. Voilà, à vous de voir. Bon, ah, bon après si c'est pas méchant mais que c'est limite, ça va être un pouce rouge. Par contre si c'est trop, c'est supprimé, d'accord? Donc voilà, donc je pense que là c'est vraiment la vidéo où je mets bien les choses au clair moi. Bon enfin bref, voilà, donc bienvenue à toi Gab. Je pensais à toi, je suis désolé les amis, je t'ai pas mentionné au début de la vidéo, je suis désolé. Donc du coup merci à toi. En plus ton pseudo qui est... Non, ton pseudo je crois pas qu'il est passé en... Qu'il est passé sur le régulier, hein. Je sais pas, c'était tellement chantier que... Pff, je m'en rappelle même pas. Donc du coup voilà. Hop, bon bah du coup maintenant on a tout ça, c'est pour notre pomme. Donc j'espère que ça va nous remettre dans le positif. Donc roulement de tambour. Bon j'arrive pas à le faire. J'ai tellement la voix à moitié cassée là. Hop. Moi je vais me concentrer pour la marche arrière, pour vous faire une marche arrière propre quand même. Allez. On est à plus 340 kilos. Bon. On est déjà dans le positif, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas assez pour... malheureusement, c'est pas assez pour louer une machine. Dommage. Bon, bah pour le coup... Merde. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. Sniff. Ou alors, autrement, ce que je vais faire, c'est pour la prochaine partie, je me mets en mode multi. Je crée un magasin. Et je demande au magasin très gentiment, très poliment, très mignon, au magasin s'ils veulent bien me... Vous pouvez me prêter moi ce nœud. Ouais. Enfin bref, on verra bien, au pire je le ferai ça en live. Si je suis tout seul, au moins que Ingrid est dans le secteur, au pire, ce que je ferai. Parce que vu que je vois que le DLC Anderson, je l'ai sur mon jeu, mais je n'ai pas de... J'ai pas l'e-trunner en fait. Je croyais que je l'avais gardé, mais non, j'ai dû le rendre. Je l'avais loué, mais j'ai dû le rendre. Ouais, il me semble que c'est ça, c'est le pulvé en fait qui est... Ouais, c'est ça, c'est le pulvé que j'ai emprunté. Donc, à tes souhaits, hein, ma puce. Donc, oupa là, oupa là, oupa là, oupa là, oupa là. Ah oui, et puis le petit screen qui va bien. Et pour le coup, il m'aurait fallu un deuxième. Bon, bah, on va partir à la chasse au screen. Non, je déconne. Je vais m'en trouver un autre vite fait, parce que comme vous le savez, je mets deux screens sur mes miniatures. Et ben, bon du coup les amis, moi on va se laisser par là. Ça fait plus 18 minutes, donc je pense qu'on a largement dépassé les 45 minutes. Donc du coup, bah moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis encore merci pour ceux qui se sont abonnés dernièrement, plus celui qui vient de s'abonner. Et puis bah moi je vais vous faire l'inglo poteau. Ciao, bye.